Attendre là jeune annonce au lit, ça c'est parti Félicia Ross qui saute font quantité événement là. Même pas parler trop parce que me parle en pile déjà. Félicia comment est? Non, c'est Jameson Bernabé, c'est pour faire que n'a croisé ou là dans cadre yon émission spéciale qui est l'interview de Jameson Bernabé. Dis-nous comment est? C'est moi même qui t'ai parlé en pile moi quoi. C'est 3e mois fait parler avec Mounio. Moi vraiment cool, moi fait arriver là jeudi en Haïti. Elle nous fait un bel programme jeudi à gratuit pour jeunes artistes pour discuter business. From début de finale de produit, hein. C'était vraiment intéressant. Yo te gen en pile belle idée, en pile belle question. So, moi content nous vin là ensemble pour faire ça pour jeune artiste. Comment on retrouve l'atmosphère Haïti, hein? Parce que nous connaissons évolué un peu les États-Unis dans l'autre pays. Mais dis-nous, qui ça Haïti voulait dire pour vous? Moi toujours aimé vibe de ici, monde moins de ici, fanatique moins de ici, manger de ici, histoire de ici. Manger oui, of course. Oui, moi ça c'est le en fierté moi gagner pour Haïti, but moi remet Haïti ça fait me songer famille, ça fait me songer fanatique moi, ça fait me songer culture moi, histoire moi. So, moi toujours content l'aime là parce que moi toujours content pour buy love back parce que moi vraiment aimer pays et mon de ici tout. Mais justement, qui est-ce qui est Félicia Ross? Et parce que je connais un peu le monde, mais je connais l'évolution juste avant d'entrer dans la musique. Quand tu es sur Félicia? Félicia Ross, c'est un producteur, un pianiste, un chanteuse, un femme. Et moi, juste, sans personne qui aime la musique et aime partager les vibes avec le monde qui a la même mentalité de moi et qui a la même inspiration de moi. Et moi, juste, ouais, j'ai mon nom avec vibe ça. Et moi, toujours content parce que moi toujours compte en pile belle moon avec bel sentiment ça. Ou fait un pile featuring dans le secteur musical là, mais bah non, si l'idée sous expérience avec des artistes. C'est même expérience nous toutes, même si yo vraiment connu ou bien nouveau, nous juste moon qui vraiment aime musique, musicienne, artiste, c'est juste moon qui a un message et qui cap chercher moon qui voulait entendre des messages ça. Et grâce à Dieu, moi je joins un pile moon qui là dans sa map faire. Ou bien on fit avec Florida, c'est un bâton pile, artiste Florida. Oui. Et comment ça y est? C'est musique pour moi. Pas gain haut, pas gain bas. Musique, c'est juste musique. Et moi, juste content pour découvrir et travailler avec plusieurs mondes, plusieurs styles de musique, plusieurs langues, different countries, different languages, different styles of music. Parce que nous sommes métis, haïtiens, américains. Moi, m'a essayé de parler plusieurs langues, moi, de voyager en pile. So, m'a juste. Essayer de vraiment dive in de ça m'a fait. L'idée causerie pour te permettre de comprendre un peu le réseau social, puisque nous connaissons en Haïti, malheureusement, nous n'avons pas la même dimension avec un monde qui a vécu aux États-Unis pour nous connaître, un artiste qui est fait un compte YouTube, par exemple, capable de faire un peu l'argent. Côté l'idée, ça sorti, et pour qu'ils soient décidés de faire un événement comme ça gratis. Parce que en peu le monde demande, well, en peu le monde dit, là, m'a pris compte monde dans le business, il dit, waouh, j'en vois. Faire musique ou gens faire business ou gens gérer public ou gens gérer mouno qui ont bagarre qui là que nous pas comprendre faut discuter ça plus et moi toujours dis pas qu'un temps c'est not but grâce à Dieu Vevel t'es poussé Vevel là qui sont en fashion brand ils toujours dit waouh faut qu'on fasse ça faut qu'on fasse ça en plus promoteur en plus mouno mais quand notre business waouh faut moi dis ok si ma fait ça faut commencer ça en Haïti parce que c'est là pour me commencer avec peuple moins avec monde moins qui supporte pour juste parler de ça qui a passé vrai dans music business parce que ça sont business que monde pas vraiment comprend qui gens ont fait ça en carrière gain un hobby gain ça faire juste pour amuser tatou et gain en carrière and c'est vraiment différent et moi dit si me gain un petit temps moi t'ai venir là jeudi à m'a chanter demain soir dans la réserve moi dit si me gain un petit temps forme du vin devant moun pour parler pour discuter ça yo vle apprendre ça yo vle discuter moi quoi il était vraiment bien passé t'as semblé qu'elle était perdu un paquet d'argent non pour ça est-ce qu'on capable ba moun yo l'idée sur ça parce que grand pile moun qui t'a rien connait ça qui font artiste en coup qui assez intelligente perdu l'argent non pour ça jusqu'à ce que obligé kounya là on dit qu'a évoluer non les ben indépendants. Oui, ça c'est une histoire de music business. En pile moun vin yo signé avec un lab qui voulait faire n'importe quoi avec yo. Et là où dit non pendant ça quitte aller et nous dit ah non faut bataille faut gourmet faut faire procès
Et ça, c'est un bagage qui est vraiment triste, qui est vraiment difficile, qui est vraiment raide. Et ça, c'est ce passé dans la vie. Mais c'était une bénédiction après, parce que j'étais vraiment... Ouais, après, j'ai perdu tout ça, j'ai gagné. Après, j'ai goûté à mort. Moi, ouais, que même si je n'ai pas gagné, j'ai gagné ça qui est plus important. Tête, moi, talent, moi, esprit, moi. Et là où j'ai ça, je n'ai pas qu'à camper sur l'affaire. Et c'était une bénédiction pour moi, en vrai, parce que là, moi dit, moi j'ai ça, ça lié pour vraiment gagner dans le business. Et je moi juste continuer de croire dans rêve, moi croire dans ça qui est bon. Et moi pas même arriver côté me voulais arriver. Et m'a toujours essayé de faire un travail qui mieux, qui plus bon pour moi-même, mes familles, mes peuples, moi et fanatiques, moi et pour mon nom. On a tout ce que vous aimez. Non, bien que je connais en pile. Mais bon, je vais même dire, en pile. Moi, j'aime tout artiste qui vraiment croit dans la musique et croit dans la tête et a envoyé un bel message. Et un message. Parce que je dis à mon nom, il y a des gens qui juste fait bruit. Pour moi, c'est juste bruit. Il n'y a pas parler de rien. Il n'y a pas bail de rien. Il n'y a pas inspirer de rien. Il n'y a pas bail love. So, pour moi, j'aime un artiste qui est vraiment créatif, qui a un message, qui a inspiré les gens pour faire plus bon dans mon nom, pour mon nom et pour tête YouTube. Ok, et bon, nous étalons un paquet l'idée sur l'artiste là, mais quand même, il y a plein de gens qui vont demander est-ce que Félicien Margué, est-ce que Ligue est petite? Bon, c'est que vous êtes capable de répondre à une question ça? Non, et non. Non, ou pas marié, ouais, petit. Bon, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, m'espérer. Nous sommes très contents à coup, mais nous pas parlons de crasse sur comment on vit l'expérience, puisque vous êtes avec un paquet de jeunes, vous parlez avec vous, vous comprenez nous, et vous êtes très ému le fait que vous faites des passements, ou même personnellement, comment on vit l'expérience. Pour moi, c'était bon parce que c'est un vraie mission que j'ai gagné pour faire musique business, là, puis bon, après, je finis là-dedans. Parce que nous toutes, là me dit nous toutes, m'a parlé de artistes, nous toutes passé misère là nous dans business ça ou pas joindre ça. Mais ça c'est business and faut que nous pas peur, and faut que nous inspirer, faut que nous content même si c'est difficile pour nous et assoir moins quoi moins faire monde comprendre que même si yo pas comprendre ça. Même moi passé misère dans vie ça but moi arrivé dans un côté que m'ka bail love moi ka recevoir love and c'est yo pas pour compte yo and moi t'es content pour ça parce que dans musique dans art c'est juste un petit pouce moun voulait pour arriver sometimes so moi j'espère que moun joigne ça à soir. De moi personnellement m'étais très satisfait et yon question qu'on a bon pour finir et nous connaissons en Haïti, surtout en Haïti, femmes yo subi en pile agression. Dans des agressions, c'est-à-dire des fois pour un producteur signe un producteur m'a dit pour faire bagarre avec yo, yo qu'on pas vle, mais un artiste en cours qui fait en pile expérience, est-ce que ou rencontrez agent de situation ça déjà? Of course, bien sûr. Tout temps. Toute femme, elle m'a dit ça direct dans caméra. C'est-à-dire t'as le. Moi pas quoi, moi connais femme. M'pas ka parler de nèg parce que m'pas gagne m'pas on nèg. Son femme moi pas connais vraiment on seule femme qui ka dit yo pas joindre ça dans vie yo et ça ka décourager en pile moun but faut nous joindre force pour bataille avec ça pour faire ça baisser dans mon nan et nous pas ka dit que tout moun mauvais dans mon nan gen en pile moun nèg femme qui voulait ouais femme monter bien so on nous pas quitter ça décourager nous pour pas suivre rêve nous et là où river son bagage qui pas sentir bien en cœur ou bien ou pas voulait faire quoi dans ça vous pensez parce que ça vous pensez dans cœur ou dans tête ou c'est ça ou bien doit suivre. Amen. Un dernier mot pour finir. Merci tout le monde, merci à Haïti, merci toute fanatique de Félix Charas qui supportent et tout ça me fait. M'pas connais ça m'a fait, m'a juste lagué musique, m'a juste lagué vibe moi, m'a juste mettez cœur moi dehors, mettez musique dehors, mettez vibes dehors pour moi juste enjoy. Avem et moi content que me joindre monde qui apprécie ça, moi apprécie et à continuer comme ça.
Merci, un plaisir. Rendez-vous demain, 25 mai, la réserve avec bien sûr Félicien et d'autres artistes. C'est un plaisir pour nous être là aujourd'hui, pour nous permettre de comprendre un paquet de bagailles sur Artiste. Là, salut Titi Congo, Magdalene, tout staff, Boukan Difea, qui a boule moun. Boukan Difea, qui a boule sérieux. Rendez-vous, c'est pour l'autre fois, pas oublier. Interview sub disponible sur plateforme Matin Débat Officiel. Petit rendez-vous, Haïti Trésor. Non, Jameson Bernabé, rendez-vous, c'est pour l'autre fois. Bye bye tout le monde.